C'est parti dans cette épreuve, c'est parti avec un bon départ en pleine piste. On est complètement resté au poteau. En revanche, dans la stalle 1, Xarco, qui perd toute chance sur ce départ catastrophique. C'est le 7, Tutti, qui a pris l'avantage avec le numéro 14 qui vient à son extérieur. Ichi à 3 quarts. Sur une deuxième ligne, on retrouve notamment le 2 Stéphile, alors que tout en dehors, l'As progresse quelque peu, Frousse Spirit. Le 9 vient ensuite, American Cookie, accompagné encore par le 12, Dr. Keo. Le 8, Messima, galopant le long de la corde. Il n'y a pas de rythme dans cette épreuve, si bien que Xarco a réussi à recoller au peloton malgré son départ catastrophique. Allez, on passe devant les tribunes. Et c'est toujours sous la conduite des mêmes, hein, c'est-à-dire le numéro 7, Tutti, avec en dehors là ce Fruit Spirit qui s'est bien rapproché. Entre les positions, il y a Ichi le 14, le 9 vient ensuite, il s'agit d'American Cookie avec Stéphile, le numéro 2. Un peu plus loin encore, nous avons Dr. Keo, le 12, accompagné par Messima, le 8, qui galope toujours le long de la corde. À l'arrière, c'est toujours le 13, Xarco, qui fait la marche. Stéphile est également parmi les derniers, le numéro 2, ainsi qu'Oliite. La ligne d'en face, toujours le même leader, Tutti, le numéro 7. Ichi commence à se rapprocher quelque peu avec également Fruit Spirit, le numéro 1. Ces trois concurrents pratiquement de front. Messima est bienvenu le long de la corde en quatrième position. On a également Flotto qui essaye de progresser avec le 12, Dr. Keo, la casaque verte tout en dehors. Le tournant final avec deux concurrents qui se détachent sensiblement. Le numéro 7, Tutti, avec le 14, Ichi qui est à sa hauteur et qui le déborde quelque peu en troisième position. Nous avons le 8, Messima, et à l'extérieur, Dr. Keo, la casaque verte qui se rapproche. Belle progression également, numéro 3, Hydro, l'ultime à droite. Et puis on vient dans le siège Hydro avec Lehight également qui vient tout à fait à l'extérieur. C'est le 14 qui a l'avantage, Ichi, mais rien n'est fait dans cette épreuve. On l'attaque de toutes parts avec notamment la casaque verte de Dr. Keo tout en dehors également. On vient de plus en plus vite, Dr. Keo qui a toujours l'avantage, mais on va l'absorber peut-être avec le 3 Hydro tout à la fin. Non, c'est le 12 qui va s'imposer devant le 3 et le 10. Victoire de Dr. Keo, le numéro 12, devant le 3 Hydro qui a bien fini en dehors, et le 10 Lehight qui va terminer troisième